Le colonel Assimi Goïta, président de la transition au Mali, a annulé les festivités du 22 septembre, marquant l'anniversaire de l'indépendance du pays, dans un contexte de reprise des hostilités dans le nord. L'annonce a été faite mercredi soir à l'issue d'un conseil des ministres, évoquant aussi une mobilisation de réservistes. Le communiqué précise notamment que les fonds prévus pour ces célébrations seront redistribués aux victimes d'une série de récentes attaques et à leurs familles, comme ordonné par Assimi Goïta. S'agissant des réservistes, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret qui devrait permettre de déterminer les conditions de leur mobilisation. La note précise toutefois qu'ils sont censés assurer un renfort capital en cas de crise, de catastrophe naturelle ou de guerre. Le nord du Mali, plongé dans la tourmente depuis des insurrections indépendantistes et salafistes dans le nord en 2012, connaît depuis cette semaine une reprise des hostilités contre l'armée de la part des groupes armés à dominante Touareg, toujours dans sa partie nord.